là, c'est quand même un peu compliqué, peut-être. Voilà, donc. Mais oui, ça se résume à ça, oui. On a fini sans eux contre Rennes. Oui, puis Eric peut éventuellement, maintenant il y a longtemps qu'il n'a pas joué. Puis c'est un milieu de terrain de formation quand même, donc. C'est pas le match idéal pour le lancer, peut-être, mais il faudra bien de toute façon avoir une formule. Ouais. Oui, mais non, mais bon, de toute façon, il n'y a rien arrêté. Et puis, voilà, Savanier a joué en défense centrale, on n'a pas pris de but, ça peut paraître curieux comme choix, mais bon, à l'arrivée, on a fait une bonne deuxième mi-temps comme ça. Voilà, donc. Déjà, oui, je peux occuper plusieurs postes en défense, que ce soit central ou à gauche. Après, j'ai fait un bon match à gauche, je pense, contre Rennes. Donc, je postule à jouer à gauche encore ce week-end. Après, c'est le coach qui va décider de son choix. Mais effectivement, je peux jouer aux deux postes. Après, pour ce week-end, je ne sais pas. On en saura un peu plus demain, je pense. Donc après, il y a plus de repères, on va dire, même si c'est qu'un match. Mais après, s'il faut jouer dans l'axe, ça ne me pose pas de problème. Les repères, ça arrive vite. Faut remettre le contexte. Il est le seul club qu'il avait connu, professionnel, hormis son club amateur à Mérignac, le seul club professionnel qu'il avait connu, c'est Tours, de 15 ans à 20, 21 ans. Il n'avait rien connu d'autre. Donc il était dans son petit confort, titulaire depuis 3-4 ans. Tours, c'est une ville où il fait bon vivre, mais tranquille. Voilà, il n'y a pas de. Il arrive, il débarque dans un club du sud. C'est pas tout à fait le même tempérament. C'est la Ligue 1. C'est toujours difficile pour des jeunes joueurs à vivre ça. Je peux citer des exemples, je peux en citer en pagaille. Hein. J'ai commencé à jouer. Après, j'ai eu une période difficile. Donc, rejouer et aborder des matchs comme Marseille, c'est intéressant. Après, j'ai jamais rien lâché. Donc, je pense que c'est mérité. Et je vais continuer pour encore jouer les matchs qui arrivent, comme Bordeaux, Monaco, Lyon, qui sont des gros matchs aussi. Comment tu l'as vécu? Que l'ambiance est spéciale là-bas. C'est un beau stade également avec une très belle équipe. Donc on a à cœur de jouer ces matchs-là. C'est pour ça qu'on joue au foot d'ailleurs, pour jouer contre des belles équipes avec une belle ambiance dans des beaux stades. Donc ça sera que du plaisir et tout donner sur le terrain. Difficile. Déjà, nous, on n'a pas de très bonnes stats sur le troisième match dans la semaine. Quand ça nous arrive, je crois que c'est la cinquième fois. On n'a pas de très bonnes stats. Et puis, c'est toujours plus difficile quand vous n'êtes pas à égalité. C'est-à-dire que l'équipe que vous allez jouer, elle ne fera que son deuxième match. Enfin, on ne va pas jouer de la semaine. Voilà. Donc, souvent, c'est à notre avantage parce que nous, on joue pas. Hein. On joue moins en semaine que d'autres. Que ceux qui jouent les Coupes d'Europe notamment. Et pour une fois, ça serait un handicap supplémentaire. Ouais, alors le contexte était complètement différent. Alors nous, on avait fait le match qu'on était capable de faire, mais on avait joué surtout aussi une équipe de Marseille qui n'était pas prête comme nous, on l'était à ce moment-là. Nous, on avait eu cette semaine de préparation avec pratiquement tout notre effectif depuis le début. Eux, ils récupéraient les joueurs un par un, ils arrivaient de la Coupe du Monde. Je pense qu'on n'était pas du tout dans la même dynamique, dans la même forme de préparation. Voilà. Nous, on était déjà à 100% à ce moment-là. Et je pense qu'ils étaient très très loin d'être à 100%. Mais on avait saisi notre chance. Oui. Un plan anti-Balotelli, un plan anti-Thauvin, un plan anti-Payet. On va juste espérer qu'il ne soit pas dans un grand jour, c'est tout, parce que ça reste des joueurs exceptionnels, capables de faire la différence à tout moment et individuellement. Donc il faudrait faire des plans sur beaucoup de joueurs. Il n'y a pas de plan anti-Balotelli.
Non, non, pas du tout. Il y a des joueurs à côté qui sont aussi performants comme Thauvin ou Campos. Donc, il n'y a pas de plan anti-Balotelli. Bah, pour figurer dans cette première partie, je pense qu'il faut battre les équipes, les top équipes du championnat. Et là, il y a que des. Enfin, on arrive sur des matchs avec des matchs qui sont importants, avec des équipes qui sont au-dessus de nous. Donc, ça sera là où on pourra se jauger pour voir si on peut faire mieux que le maintien, entre guillemets. Soit les supporters nîmois aujourd'hui, que ce soit les supporters X ou Y un autre jour. C'est vraiment, vraiment dommage que les supporters ne puissent pas se déplacer facilement et tranquillement. Voilà. C'est un constat. Le football a besoin de ses supporters. Peut-être pas de quelques-uns, on s'en priverait, mais. Général, le football a besoin de ses supporters et se priver de belle ambiance dans les stades. Ah, si on continue, on va vider les stades. C'est un problème qu'il faut vite régler quand même parce que voilà, le danger, il y a un danger pour le football français, là, je pense. Certains pays ont réglé ces problèmes, donc pourquoi on n'y arriverait pas?